Au début du XXe siècle, les avant-gardes bouleversent les codes de l'art. Au sein de ces mouvements, les femmes artistes ont un rôle très important. Mais elles étaient également présentes avant cette période. Berthe Morisot, qui faisait partie du mouvement impressionniste, a dû attendre longtemps avant d'être citée aux côtés de Monet, Manet, Renoir ou Pissarro comme figure importante du mouvement, malgré la reconnaissance qu'elle a eue de son vivant. En 1871, elle écrivait « Je n'obtiendrai mon indépendance qu'à force de persévérance et en manifestant très ouvertement l'intention de m'émanciper. » À l'époque où Berthe Morisot veut accéder à la carrière de peintre, dans les années 1860, les académies des beaux-arts sont fermées aux femmes et le resteront jusqu'en 1906 en France. Pour se former, elles n'ont accès qu'à des cours particuliers ou à des ateliers privés. C'est ce que feront les deux sœurs Morisot. Edma abandonnera sa carrière artistique le jour de son mariage, mais Berthe luttera pour son droit de peindre et de vivre de sa peinture. Elle se marie relativement tard pour l'époque, au frère de Manet, et pressent alors ce que déclarera des années plus tard la philosophe Simone de Beauvoir. Il n'y a qu'un travail autonome qui puisse assurer à la femme une authentique autonomie. Sur son unique autoportrait, Berthe Morisot se représente en tant que peintre, fière, calme et professionnelle. Avec cette image, l'artiste participe non seulement à la tradition de l'autoportrait, un sujet bien connu dans l'histoire de la peinture moderne, mais elle permet également de sortir la femme de son rôle de modèle. Se représenter n'est pas anodin pour une artiste femme. Comme dans ce fameux portrait de l'artiste mexicaine Frida Kahlo, il s'agit non seulement de s'affirmer en tant qu'artiste, mais aussi de le faire à travers son propre style et sa vision d'elle-même. Frida Kahlo a fait de son être, de sa vie et de ses souffrances le sujet principal de sa peinture. Cette artiste d'une détermination rare, affirmée par sa production artistique, sa féminité, sa culture et son univers fantastique. Les artistes femmes qui entrent sur la scène au cours du XXe siècle cherchent à rompre avec les codes de représentation de la femme. Elles cherchent aussi à prendre la parole et à parler d'elles-mêmes comme elles se voient. C'est le cas de Claude Cahun, qui très tôt explorait le genre et jouait avec des multiples facettes de son identité. Dans cette image, nous la voyons déguisée en athlète, mais avec des seins grotesquement marqués. Ce rapport au corps n'est pas évident à traiter pour les artistes femmes, car le nu, au début du siècle, leur était encore défendu comme sujet d'étude au sein de l'Académie. Cela n'a pas empêché Suzanne Valadon, peintre autodidacte, ancienne acrobate du cirque, de faire du nu un de ses sujets préférés qu'elle traite avec une audace rare. Les peintres femmes créent activement une nouvelle iconographie de la femme, forte, révoltée, indépendante. Nous le voyons sur la peinture de Tamara Wempicka, cette figure de proue à la bisexualité affichée qui représente les femmes bourgeoises libérées jouant avec le nu qui se devine à travers les tissus, comme sur cette fameuse toile « Jeune fille en vert ». Mélangeant les formes très saccadées et rythmées empruntées au mouvement futuriste, avec un dessin ordonné et géométrique de l'art déco, elle trouve vite son propre style. Son succès commercial auprès des élites parisiennes puis américaines étonne pour l'époque et fait d'elle une précurseuse du marketing moderne. Aux antipodes de ce modèle, mais avec la même intention de prendre les choses en main, d'exprimer leur force et leur autonomie, on retrouve les artistes russes. Les femmes y sont nombreuses, pour la plupart les compagnes des peintres et des poètes qui forgent le nouvel art de la Révolution. Natalia Goncharova, compagne de Mikhail Larionov, est comme beaucoup de ses amis inspirée non seulement par le futurisme italien et l'expressionnisme allemand, mais aussi par l'art populaire russe. Elle fusionne ses traditions pour élaborer son propre style, comme sur ce portrait des deux femmes, les porteuses. Cette peinture contribue à une nouvelle image de la femme, un nouveau modèle d'héroïne, forte, issue du peuple, qui est égale aux hommes. Cette jeune génération de communistes russes parle ouvertement d'une société nouvelle, émancipée et prônant l'égalité des sexes. En 1914, Natalia Goncharova réalise le décor expressif de l'opéra Le Coq d'Or, interprété par les ballets russes à l'Opéra de Paris.
Cette création marque le début d'une coopération fructueuse avec le directeur des ballets russes Sergei Diaghilev et de son aventure française. Les femmes dans les avant-gardes russes exposent activement, jusqu'à être parfois plus nombreuses que les hommes, comme dans l'exposition 5 x 5 = 25 de 1921. Elles ont également une vraie possibilité de s'exprimer à travers des textes et des manifestes. Lyubov Popova, dont la peinture s'inspire du cubisme, écrivait en 1921 « L'ère dans laquelle l'humanité est entrée est une ère de développement industriel et l'organisation des éléments artistiques doit donc s'appliquer à la conception des éléments matériels de la vie quotidienne, c'est-à-dire à l'industrie ou à la soi-disant production. » Cette déclaration illustre parfaitement les idées du groupe constructiviste, formé notamment par Varvara Stepanova et son compagnon Alexander Rodchenko. En 1922, Lyubov Popova crée la scénographie machiniste pour le cocu magnanime de Fernand Crommelink, considéré comme l'un des parfaits exemples du constructivisme. En tant que porte-parole du constructivisme, Varvara Stepanova est l'une des activistes les plus ardentes du Nouvel Art. Dès 1921, elle décide d'abandonner la peinture au profit de l'art utile, qu'elle voit dans le design industriel, la scénographie et le graphisme. Avec son amie Lyubov Popova, elle travaille pour des usines et invente des motifs modernes pour les tissus, ainsi que des vêtements multifonctionnels et unisexes. Olga Rozanova est quant à elle l'une des auteurs du manifeste de 1910 du groupe Union de la Jeunesse. Ce groupe avant-gardiste de Saint-Pétersbourg compte parmi ses membres des poètes, des musiciens et des artistes tels que Kazimir Malevitch, Vladimir Tatlin ou encore Alexandra Exter. Olga Rozanova se démarque pourtant du groupe et développe son propre courant dans la peinture abstraite. Une de ses plus belles œuvres est sans doute cette ligne verte, produite en 1917, qui a longtemps été exclue des manuels de peinture du XXe siècle. Ces artistes, autant que leurs homologues masculins, incarnent la révolution culturelle russe en œuvrant à faire descendre l'art moderne dans les rues pour le mélanger à la vie quotidienne et aux autres arts. Sophie Tauber-Arp et Jean Arp est un couple emblématique de la scène artistique qui a participé à la naissance du mouvement Dada à Zurich. Artiste pluridisciplinaire, formée en art appliqué, Sophie Tauber-Arp se dirige vers l'abstraction géométrique dès 1915. Elle découvre également la danse et va participer aux performances du dadaïsme turicois, réalisant des costumes ou des marionnettes en bois. Le couple Hannah Hösch et Raoul Haussmann est également très impliqué dans le dadaïsme, mais à Berlin. Collagiste exceptionnelle et engagée, Hannah Hösch crée des compositions dynamiques avec des coupures de journaux. À travers ses collages, elle critique la société moderne et le rôle des femmes qu'elle voyait clairement être oppressées par les hommes, même dans le milieu artistique. En effet, malgré ses réalisations qu'on juge aujourd'hui excellentes et malgré son engagement profond dans le dadaïsme berlinois, elle n'a pas été la bienvenue au Dada Art Fair en 1920 et n'a pu y participer qu'avec l'intervention de Haussmann. Considérée aujourd'hui comme l'une des figures majeures de l'abstraction, Sonia Delaunay est longtemps restée dans l'ombre de son mari, Robert Delaunay. La peinture des Delaunay cherche à transmettre la dynamique et l'essence de la couleur. Inspirée par le traité sur la couleur de Michel-Eugène Chevreul, ils nomment leur création le simultanéisme. Fascinée par l'abstraction, et voulant l'introduire dans tous les domaines de la vie quotidienne, Sonia Delaunay invente des habits et des tissus avec des motifs abstraits. Avec ces tissus, Delaunay, devenue une véritable marque, elle subvient aux besoins de la famille et fait de sa boutique Casa Sonia un haut lieu de rencontre de l'élite parisienne.
La place des femmes au sein du surréalisme a été beaucoup débattue. Leur présence non négligeable parmi les artistes participant aux événements surréalistes se heurte à une image de la femme comme objet sexuel qui a été critiquée par des féministes. Nous pourrions donc aussi percevoir ces multiples représentations des nus féminins, dont les modèles sont elles-mêmes souvent artistes, comme une prise de conscience et de liberté sexuelle aussi par elles. C'est le cas de Merritt Oppenheim, qui pose ici, pour Man Ray, pour l'image intitulée « Érotique voilée ». L'artiste, à l'apparence androgyne, défendait l'indétermination des genres et menait une vie érotique très libre. Elle a gagné une place importante au sein du mouvement surréaliste avec une œuvre devenue mythique, « Le déjeuner en fourrure ». L'idée est venue lors d'une rencontre avec Picasso et Dora Maar. Picasso commentait son bracelet entouré de fourrure et suggérait que tout pouvait être fourrure, même la tasse devant eux. De cette simple discussion, Merritt Oppenheim fit une œuvre remarquable qui fut exposée et acquise par le MoMA lors de l'exposition sur le dadaïsme et le surréalisme en 1936. Cette même Dora Maar est une des rares photographes avec Man Ray à participer aux expositions des surréalistes dès 1935. Elle excelle en photomontage pour construire ce qui semble réel mais est imaginaire, trouvant ainsi une place indépendante pour la photographie au sein du mouvement. Autour des surréalistes gravitaient plusieurs artistes, comme l'anglaise Eileen Agar. Entre 1936 et 1940, elle expose plusieurs fois avec les surréalistes, montrant des œuvres fantastiques composées d'objets trouvés et d'objets naturels, comme dans la sculpture « The Wings of Augury » qui fait référence aux présages antiques interprétés dans les vols d'oiseaux. Ce qui caractérise donc les avant-gardes européennes de la première moitié du XXe siècle, c'est la présence des femmes en tant qu'actrices actives des différents groupes et mouvements.